Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est au Parc Le Rocher pour vous annoncer le grand jour est finalement arrivé. Donc, en effet, c'est officiellement le début des travaux de réaménagement de la zone récréative au Parc Le Rocher. On le sait tous, le Parc Le Rocher, c'est un joyau qu'on a la chance d'avoir sur notre territoire. Alors, on vient lui refaire une beauté. Donc, au menu, il y aura plusieurs nouveaux aménagements au parc, dont un majeur, c'est l'installation d'un toit plat incliné sur la dalle de béton. Donc, une structure architecturale magnifique qui va venir abriter les activités estivales et la patinoire en hiver. En plus, il y aura un réaménagement complet du stationnement et de l'entrée du Parc Le Rocher. Il greffait une toute nouvelle piste cyclable qui va partir de la rue Auger pour venir rejoindre le début des installations récréatives. Donc ici, favoriser la mobilité active. Également, il y aura un réaménagement des pistes de sentiers piétonnes et l'enfouissement des fils qui se retrouveraient un peu partout au parc. En plus, on va venir bonifier le parc avec la plantation de plus de 200 arbres pour augmenter la canopée. Donc, plusieurs bonnes nouvelles pour les amabliens. Autre bonne nouvelle, les travaux sont devancés de plusieurs semaines avec nos fournisseurs. Donc, les travaux vont se dérouler tout au long du printemps et de l'été 2024. Alors, venez voir les travaux et les avancements tout au long de cette période-là. Par la suite, vous allez pouvoir redécouvrir ou découvrir un Parc Le Rocher métamorphosé.